effectivement, je suis énormément beaucoup maquillée, mais je filme ma vidéo après ma vidéo cadeau de Noël. Voilà, je fais une pierre deux coups. J'adore cette expression. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que vous m'avez tellement demandé. Je vous promets que genre c'est une des vidéos qui m'a été le plus demandée depuis que j'ai fait la première édition. Je vous retrouve pour la vidéo je fais mon shopping à l'aveugle sur Wish édition 2. Mon dieu, ça fait tellement bizarre de dire cette phrase parce que depuis cette vidéo j'ai l'impression que tout a changé. On a fait presque 600 000 vues en quelques semaines, enfin c'est un truc de malade. Et je suis tellement contente que vous ayez en globalité apprécié cette vidéo parce que bah, c'est ma vidéo préférée de ma chaîne, parce que j'ai tellement aimé filmer, tellement aimé monter cette vidéo. Enfin bref, j'ai adoré le résultat de cette vidéo et je suis tellement contente bah, que ça vous ait plu aussi. Je fais cette deuxième édition, j'ai attendu un peu pour pas faire genre je fais directement la vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti. Vous connaissez le rituel. Petit ordinateur et on va aller commander tout ça. Je vais aller commander dans différentes catégories plusieurs produits. Dites-moi si jamais bah, vous voulez une troisième édition, ça serait beaucoup, mais dites-moi si jamais si vraiment vraiment ça vous plaît. Je vais essayer de rajouter, ou même si vous avez des idées pour pimenter le jeu, bah, de rajouter des conditions ou faire des trucs spéciaux. Enfin bref, dites-moi si vous avez des idées sur ça. Alors maintenant, on va aller sur le petit Google et on va taper Wish. Ok, du coup, on est peut-être parti. Là, je suis dans l'onglet tendance. Je me souviens que j'avais été dans cet onglet-là et j'avais trouvé grave des trucs qui me plaisaient. Du coup, bah, je vais acheter peut-être 2-3 produits ici et le reste, je ferai des catégories spécialisées. Ah oui, et attendez, petite parenthèse, vous étiez beaucoup à me dire quand vous voyez que l'objet, il y a écrit « gratuit ». Non, il n'est pas gratuit les gars, parce qu'en fait vous payez la livraison qui est à 1 ou 2 euros, voire même plus. Donc non, du coup c'est pas gratuit. Sur ça, c'est où? Elle est où ma souris? Encore du Coca-Cola. C'est le retour du Coca-Cola encore une fois. Si on s'en souvient dans la première édition. Ça. C'est pour mettre ses écouteurs. Mais j'ai pas besoin de ça en fait. C'est vraiment pourri. Je vais prendre le coca avec les petites écritures rouges là. Oh, il est trop beau. Et la couleur, je prends le noir. Ensuite bah, je vais rester à la même hauteur. Là. Chou. Ah bah je suis carrément dans le vide. On va dire que la souris était là. Et c'est quoi? C'est un collier. Oh c'est pas ouf ouf. Ah non, c'est un kit. Il y a tout ça. Mais je suis allergique au toc pour les boucles d'oreilles. Ah, il y a quand même tout ça pour 1 euro, c'est bien, je trouve. Non, bah écoutez, bah achetez, hein. On verra ce que ça donne. Mais à mon avis, ça doit pas être de la qualité extraordinaire. Maquillage et beauté, comme d'hab. C'est une blague où je vois très bien ce que je vois actuellement, là. Un kit à points noirs. Il y a quand même plus de 100 000 personnes qui ont commandé ça. Stop. Je suis où? C'est ça. C'est quoi? Non, je peux pas. Non, les gars, je peux pas. Commandé par plus de 20 000... Ah non. Ah, bruh. Changeons l'image directement. Oh, mon dieu. C'est quoi ça? C'est totalement de l'huile pour se raffermir les bzouzes. La poitrine. On est passé un level plus 10, là. Là, c'est pas possible. Je suis obligée d'appuyer sur ce bouton. Changeons de catégorie avant de faire d'autres découvertes farfelues. Nous allons passer à la catégorie bébé et enfant. Parce que oui, je suis une grosse gamine, donc on va voir ce qu'on pourrait trouver. De toute façon, je vais tomber sur des couches, ma gueule. Stop. Une peluche. Chaune le mouton. La joie se lit sur mon visage actuellement. Ok, changeons de catégorie et il reste 2 objets à acheter. Loisirs. Ma catégorie préférée puisque c'est là où se trouve le slime. Où est-ce que je suis là? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, des ranges couverts. Bon allez, on va prendre ça en violet. Vous me connaissez maintenant. Acheter. J'ai mal au cœur en appuyant sur ce bouton. Catégorie. Décoration. Là, 1 euro. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est trop bien. C'est un truc pour ranger les brosses à dents, dentifrice et tout. En vrai, je sais très bien que ma mère quand elle va ça... Ma mère, quand elle va avoir ça dans la salle de bain, elle va totalement le retirer. Mais pour tester, hein,
clairement c'est pour tester. Donc ouais non, j'aime trop, en plus c'est Totoro, c'est cool. On part sur un petit gris clair, c'est sympathique. Acheter ? Et quand même le total c'est 18,90€, c'est cher. Oui, allez. C'est fait, c'est payé. Maintenant, à dans 3 semaines pour le déballage. Enfin, pourquoi j'ai dit à dans 3 semaines ? C'est dans 2 secondes en fait. Donc à dans 2 secondes, mais dans 3 semaines pour moi. Ok, micro branché. Hi ! Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Je ne me souviens plus de ce que j'ai commandé, mis à part une seule chose qui est vraiment restée dans ma tête. C'est cette petite huile de massage assez, ma foi, traumatisante, je dirais. Parce que du coup, le reste, je ne me souviens pas du tout. Let's open that. Voilà, c'est parti, let's go. Voici un petit paquet. Je ne vais même pas essayer de deviner parce que je ne vois pas du tout ce que c'est. Je dis, je vais pas essayer de deviner puisque je vois pas du tout ce que ça pourrait être. Ah mais c'est un bijou. Ça m'a coûté 1€ genre. Bon après ça fait un peu cheap, on va pas se mentir. Déjà là il y a un collier. Là il y a des boucles d'oreilles. Mais je suis allergique aux boucles d'oreilles en toc, donc du coup ça sert à rien. Une bague. La bague est jolie. Je vais la garder. Vraiment la bague est super jolie. Ouais c'est un bracelet. Bah il est un peu comme le collier. Je sais pas si je le mettrais forcément. Par contre la bague non, j'aime vraiment beaucoup. Donc ça je vais vraiment la garder parce que j'aime bien. Bref voilà, passons à la suite. Autre petit colis. Ah, est-ce qu'on partirait pas sur cette petite huile de massage, les gars? Totalement. En fait, c'était une huile de massage ou pas? Je me souviens plus, c'était une huile de massage, genre une huile pour faire autre chose. Peggy 18. Ça ressemble à ça, enfin genre c'est un petit tube. Ah! Ça sent bon. Ça sent le savon, un peu avec de l'huile de karité. C'est comme si t'entrais dans un institut de massage et qui venait juste de nettoyer le carrelage, genre. Je me souviens. C'était pas le truc pour accrocher ses brosses à dents là? Je crois, non? Attends, si, c'est ça. Je redécouvre les trucs parce que vraiment, je me souviens plus du tout de ce que j'avais pris. Oh, c'est trop bien ça, par contre, genre, je vais grave l'utiliser, c'est trop bien. Voilà ce que ça donne. Attendez, je vais voir si je peux l'accrocher au mur. 2000 years later. Alors non. Ah, c'est peut-être ça s'accroche que genre sur du miroir ou je sais pas quoi. Je l'ai mis sur mon miroir d'armoire et ça marche. Donc bah oui, ça marche que sur les miroirs. Je suis bête. Oh non, ça me dégoûte. Ah, je croyais que c'était une araignée au début quand j'ai vu les pattes. Je me suis dit putain, c'est une araignée, ça me dégoûte. Et en fait non, c'est Shaun le mouton. Ça s'accroche à la voiture. Je sais pas. Oui, alors je le donnerai à mes petits cousins peut-être à la rigueur. Oui, d'accord. Passons à la suite. Mais je vous promets que je me souviens tellement pas, mais c'est abusé. Genre vous allez me prendre pour une grosse conne parce que bah vous avez vu ce que j'ai acheté genre juste avant. Mais je vous promets que je me souviens pas de ce que j'ai pris. La trousse est vachement jolie par contre, je tiens à préciser. Ah ça pue. Oh my god c'est trop bien. Alors là par contre je meurs, c'est trop bien. Donc du coup il y a une cuillère et il y a des baguettes. Il y a les baguettes. Je suis vraiment trop contente, je sais pas manger avec des baguettes. Et du coup je vais grave m'entraîner je pense. Mais des baguettes en fer ça me paraît chelou non? Bon, c'est pas grave, c'est déjà bien. I want it, I got it. I want it. Oh putain. Oh oui, trop bien. C'est grave le meilleur pour la fin, non? Oh. Oui, c'est le meilleur pour la fin. Ah oui, je me souviens. C'est trop chiant. Ah, je me souviens maintenant de ce que j'ai commandé. Bah oui, bolos. Oh là là. Trop bien. Enfin, trop bien. Peut-être que je le donnerai à mon père, mais c'est pas grave, c'est quand même trop bien. En vrai, non, c'est cool, hein. En plus, il y a des poches et tout. Il y a plein de poches à l'intérieur. C'est vraiment bien. Merci Wish. Et d'ailleurs, attendez, je tiens à préciser, enfin je le fais à la fin de la vidéo, c'est un peu con, mais je ne suis absolument pas sponsorisée en partenariat avec Wish pour cette vidéo. Genre j'achète tout de mes sous et tout. Enfin genre c'est pas du tout en partenariat avec Wish. Mais c'est pas moi qui décide de mettre les pubs Wish et tout. Et enfin c'est pas parce que je suis en partenariat. Bref, on s'en fout, mais sachez que je ne suis pas en partenariat avec Wish pour faire cette vidéo. Voilà. Donc bah voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je l'ai fait deux fois et tout, mais en fait j'aime trop faire cette vidéo parce que c'est grave cool. Et puis je sais pas, je trouve des objets un peu chelous. Puis en même temps ça peut me faire plaisir des fois. Donc.
c'est le suspense, you know. C'était pas horrible cette fois-ci comparé à l'autre fois, c'était pas ouf, j'ai l'impression. Non, vraiment, je suis contente. Je sais pas si je fais une troisième édition parce que si je la fais, je pense que je la ferai dans longtemps. Mais vu que c'est un concept qui a bien marché et qui vous a vraiment, vraiment plu et que vous étiez des centaines, mais vraiment, je mens pas, des centaines à me redemander cette vidéo, donc je me suis dit que j'allais vous la faire et tout. Et puis, je trouve ça cool personnellement. Dites-moi si du coup vous voudriez une troisième édition, mais j'essaierai de pousser le challenge un peu plus loin parce que du coup, sinon, ça fait pas trop redondant, j'ai l'impression. Donc voilà, bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, bah comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me le dire en commentaire, me rejoindre sur les réseaux, Instagram, you know. Sur ce, moi je fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, bisous.